Imaginez un géant cosmique scintillant dans le ciel nocturne, captivant notre imagination avec sa danse énigmatique de lumière et d'obscurité. Et si je vous disais que derrière ce spectacle céleste se cache une histoire pleine de mystères, d'intrigues et de phénomènes inattendus? Une étoile peut-elle rebondir après avoir frôlé la mort? Une étoile l'a fait, ou du moins a semblé le faire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'univers pour percer les secrets de Bételgeuse, l'étoile supergéante rouge qui a mystifié les astronomes et les observateurs. Qu'est-ce qui a provoqué son obscurcissement spectaculaire et que révèle-t-il sur les cycles de vie des étoiles? Mais avant de dévoiler les secrets de Bételgeuse, assurez-vous de faire partie de notre communauté cosmique en vous abonnant et en appuyant sur la sonnerie de notification. Le cosmos est plein de merveilles, et vous ne voulez pas manquer une seule révélation. Commençons notre voyage avec les événements déroutants du début de l'année 2019. Bételgeuse, une étoile en fin de vie, a soudainement commencé à s'assombrir, suscitant des spéculations sur une supernova imminente. Les astronomes et les observateurs du ciel du monde entier ont retenu leur souffle, anticipant un spectacle céleste comme jamais auparavant. Cependant, la vérité derrière l'étrange comportement de Bételgeuse s'est avérée aussi fascinante qu'inattendue. Grâce aux images à haute résolution capturées par l'instrument MATISSE du Very Large Telescope Interferométré de l'Observatoire Européen Austral, les scientifiques ont découvert un coupable surprenant, la poussière. Cette poussière, sous forme de monoxyde de silicium, a créé un voile sombre autour de Bételgeuse, provoquant une forte baisse de luminosité. Si cette théorie se vérifie, elle serait également liée aux résultats d'une étude réalisée en 2021 sur l'étoile, qui suggérait que Bételgeuse éructait une bulle de gaz. Les astronomes qui observaient l'étoile à l'époque avaient conclu que du gaz avait pu jaillir de sa surface en raison d'une baisse soudaine de la température. D'après les résultats de l'étude 2021, ce refroidissement soudain aurait également été assez brutal pour refroidir suffisamment le gaz en partance pour qu'une partie se condense en poussière solide. Cette poussière se serait ensuite étalée pour créer un voile devant l'étoile, l'obscurcissant depuis notre point d'observation, et les images de MATISSE confirment donc cette théorie. En outre, elles indiquent également que la poussière, celle-là même qui peut alimenter les systèmes stellaires naissants, peut en fait se former très près des étoiles. Mais voici le hic, alors que l'étoile perdait de son éclat en lumière visible, elle apparaissait plus brillante dans l'infrarouge, éclairant ainsi les mystères de ce phénomène cosmique. En outre, des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont étudié les fluctuations de température de Bételgeuse au cours de cette période d'affaiblissement. Leurs conclusions ont révélé que les taches d'étoiles, semblables aux taches solaires sur notre propre Soleil, en étaient probablement la cause. Ces perturbations du champ magnétique de Bételgeuse ont temporairement bloqué le rayonnement, ce qui a entraîné la chute de température observée. Les implications de ces découvertes sont stupéfiantes. Non seulement elles nous permettent d'approfondir notre compréhension de Bételgeuse, mais elles nous éclairent également sur le comportement des géantes rouges, qui contribuent de manière essentielle à l'obtention des éléments lourds de l'univers. Même si nous n'avons pas assisté à la grande supernova de Bételgeuse, les connaissances acquises grâce à ces événements nous préparent aux merveilles cosmiques à venir. N'oubliez pas que l'univers est une mer infinie de mystères et qu'ensemble, nous naviguons dans ses profondeurs inexplorées. Merci de nous accompagner dans cette incroyable aventure céleste. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester au courant de toutes les révélations cosmiques qui vous attendent. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les yeux rivés sur les étoiles et votre curiosité en éveil, car ensemble, nous allons explorer.